petite édition spéciale des vacances. Comme j'ai arrêté donc mes vidéos du mercredi, je vous fais une petite vidéo parce qu'en fait le 11 août c'était la Saint-Clair, donc je m'appelle Claire, c'était ma fête et pour l'occasion j'en ai profité pour me faire une petite commande chez Simply Graphic. Je vous montre. Donc Simply Graphic, c'est une petite boutique. Et voilà, donc je vous montre, j'ai pris de la poudre embossée clear, donc transparente, j'en avais pas et du coup je me suis dit que ça serait bien utile. Ensuite, je me suis fait plaisir sur les nouveaux, parce qu'en fait je ne suis pas très fan des nouveaux. Moi j'aime énormément les dots comme ça, oups, comme ça, je les achète donc déjà fait. Et en fait, j'aimais pas trop l'effet que ça donnait, les nouveaux. Et là, j'ai vu que ceux-là, c'est des nouveaux mat. Alors, je me suis dit, allez, je tente. Et quand je ne tente pas à moitié. Donc, j'ai pris carrément quatre couleurs. J'ai pris bleu, vert, gris et rose. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Mais d'abord, je vais vous montrer donc la suite. Donc, c'est emballé dans du papier de soie. Hop. Alors, donc on a une petite carte qui nous dit merci. C'est très sympa. J'ai choisi donc un die hamac. Je trouvais que c'était trop sympa pour l'été. J'ai presque tout pris dans la collection été et je trouve que ça se complète parfaitement avec la collection de Chou and Flower Océan. Vous voyez, c'est vraiment sur le même thème. Donc j'ai pris un petit tampon comme ça, fond marinière, rayé un peu. J'ai pris aussi ce petit tampon Océan, plage, mer, sable, rivage et flot. Voilà. Et ces deux planches. Donc cette planche-ci, carnet de voyage, etc. Je trouvais que c'était très sympa pour agrémenter les mini des vacances. Et là, la mer est un espace de rigueur et de liberté. Balade, mer, vacances. Enfin, il y a des petites anecdotes. Non, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Des petites... Bon, bref, je ne sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Des fois, ça arrive comme ça. Balade, mer, vacances, nature, soleil. Et j'aime bien l'effet écriture, comme si c'était écrit à la main, mais au moins c'est une belle écriture. C'est assez sympa. Donc voilà. Pour mes petits achats, on va quand même essayer, vu que ça fait que 3 minutes, on va quand même essayer les nouveaux. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Ah! Donc, on va prendre la petite carte, merci. Puis, on va essayer. Hein. Directement. Donc, pour le tout, j'en ai eu pour 61 euros. Je ne sais plus combien était à l'unité chaque truc. Comme ça vous donne une idée du budget que vous avez besoin. Je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire. Ça soit bien rond. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai fait baver le petit truc. Bon, on va dire que je ne suis pas habituée à faire ça. Voilà. Ah, j'ai retrouvé, on appelle ça des citations. Enfin bref, des fois on perd nos mots, c'est dingue. Voilà ce que ça donne. Bah, je suis pas hyper fan, hein, parce que comment on fait pour que ça soit bien rond, bien beau? Faudrait que je regarde des tutos. Et en séchant, normalement, ça devient mat. En tout cas, le bleu est très très beau. On va essayer le rose, tiens, qui est ma couleur préférée. Comme ça, ça vous fera une petite vidéo de 5 minutes. Allez.
Je sais pas exactement si c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'il faut faire. Le rose est très très beau aussi. Les deux là, franchement, ça va. Mais alors les plus grosses, je pense que je vais prendre des vrais dots déjà faits pour les plus grosses. Et je pense que je ferai que des petites gouttes sur mes projets. Peut-être que ça peut s'améliorer. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment très chouette. C'est très très sympa comme, comme rendu. Donc voilà pour mes petits achats Simply Graphique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.